film d'action. Présente Gasherman contre Passifort. L'histoire commence dans un grand festival de carnaval, le mariage de sommes de cérémonie de carnaval. Et là, il y a un paparazzi qui prenait des photos. Et là, il présente clic, clic, clic. Et les mariés, eux, ils sourient la joie. Quand soudain, Gasherman arrosé. Et oui, là, les mariés sont arrosés, leur cérémonie est cachée grâce à Gasherman. Mais quand soudain, le paparazzi, il dit, et toi, tu vas payer pour ça. Et quand après Gasherman a gâché la cérémonie, la police est arrivée et là pour arrêter les mariés. Et voilà, les mariés sont maintenant en état d'arrestation pour mariage illégal de la justice de traditionnelle. Mais le paparazzi dit, arrêtez, vous ne pouvez pas faire ça. Mais le chef de la police dit, désolé, la loi, c'est la loi. Et quand le paparazzi retourne à son travail, il annonce à son patron, dit, Monsieur, on a un problème. Gasherman a encore frappé. Et le patron dit, oui, alors, il fait ça pour la justice. Et le paparazzi a dit, mais enfin, c'est injuste, ça. Gâcher un mariage, c'est mal. Et en plus, la police est contre le mariage. Et quand le patron veut dire, je sais, mais pour lui, il m'a sauvé la vie contre mes parents indignes. Et grâce à lui, mes parents indignes sont remplacés par des clones de gentillesse. Et que oui, dans le temps, autrefois, le patron, quand il était enfant, il était avec des cauchemars entre ses parents, qui étaient des parents indignes, qu'ils ont fait leur mariage pour rien, pour faire lui un essence gaspillage. Et grâce à Gasherman, lui, en créant une machine à clonage, il est libre grâce aux parents de clones de gentillesse. Au moins, grâce au Gasherman, le patron respecte aussi bonne justice. Mais quand soudain, le paparazzi veut dire, ah non, moi, je ne suis pas d'accord, parce que quand j'ai des enfants, je les abandonne pour moi, c'est comme ça. Mais quand le patron a répondu la vérité, il dit, vous êtes viré. Vous n'êtes plus un paparazzi. Et quand soudain, son ouvrier veut dire, quoi? Et là, le patron dit, la loi dit qu'il est interdit d'engager des parents indignes pour faire leurs enfants un enfer. Et oui, parce que le patron était très clair. Lui, c'est un bon cœur pur pour les familles sacrées. Parce qu'il ne supporte pas que les qui veut pas engager des parents indignes qu'il faut les transformer les enfants, leurs enfants, leurs garçons, leurs filles, leurs fils et leurs filles, la vie un enfer, ni pour les abandonner, ni de refaire la vie eux-mêmes sans vraie famille sacrée, juste quoi un ordinaire stupide, comme si le patron a un cœur pur pour la loi de la famille sacrée. Et lorsque après l'ex-paparazzi et a quitté son poste qui a été renvoyé, et résultat, il rentrait chez lui, et là, il est devenu un ex-paparazzi. Dans ce cas, il a décidé de moyens, vu que son travail était plus important, et quand il a décidé d'en avoir marre, il a décidé de fabriquer un costume avec une équipation de fil électrique et de faire un casque de caméra. C'est ainsi qu'il passe aussi en action. Et il se fait aussi appeler aussi d'un étrange ennemi de Gasherman. Il se fait appeler, là il dit, tu vas avoir un ennemi, Gasherman. Et c'est. Mais pour l'instant-là, il ne répond pas parce que pour l'instant, il va devoir arriver. Quand Gasherman est arrivé pour gâcher le mariage, quand soudain, il y a quelqu'un qui dit, hé, toi! Et là, surprise. C'est là que le l'ex-paparazzi est arrivé avec son costume qui veut appeler son personnage maintenant. Et là, il reprend de dire, je suis pas si fort.
Et là, Patifo, et je suis ton ennemi. C'est là qu'il se fait appeler désormais Patifor. Et quand voilà le résultat, Patifor équipa son technologie de casque, de caméra et de photo. Et là, il représentait clic et envoie une photo comme ça. Et la photo, c'était en fait métal collé. Et Gachem a répondu, une photo? Et là, le par Patifor dit, oui. Et après, on voit encore clac, clic, clac, clic, clac, clic, clac, clic, clac, clic, clac. Envoyant donc, et hop, vers au Gashoman. Et là, ils sont accrochés. Mais en tout cas, Gashoman avait aussi vu que les photos sont passées sur son armure et aussi sa cape. Mais au moins, son armure équipée de détruire immédiatement tous les trucs qui sont détruits sur son armure. Et au moins, sa cape est repoussée. Et son armure commence à détruire immédiatement ses photos. Et voilà, fané. Et voilà, nickel. Et là, le Patifo dit quoi? Et là, ce que Gashama dit, c'est raté. Et là, un coup de poing et paf, KO, coup de poing. Et pas si fort, vaincu. Et la police est arrivée. Il y a commence l'arrestation pour lui. Et voilà, Patifor est enfin arrêté. Sur le journal, Patifor est arrêté. Fin de l'histoire.